Oh putain. Des battes. Des battes. Oh! What the hell? Oh, je... Allez, loul! Ah, j'avais plus de vie! Oh! N'importe nawak! Loul! Non! Merde! Mais non, mais c'est n'importe quoi! Bon, j'ai mal joué. Ah putain, où est-ce qu'on va repop là? Ah bah c'est bon. Loul! En fait, ce jeu, c'est vie à l'infini, quoi. Putain, j'y crois pas à la mort, quoi. Mais putain! Mais comment tu veux aussi? Tu peux même pas... Mais tu peux même pas partir de l'autre côté! Eh ben putain, que c'est con, mon dieu, mais oui, l'holodisque, l'holodisque, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quand même pas foutu dans le sac à dos, ben non. Putain, mais n'importe nawak. Mais que c'est nul. What? Mais qu'est-ce qu'on vient de voir là? Non mais qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est quoi cette merde? Putain, sans déconner, c'était ça le boss? N'importe quoi quoi, le machin il bouge même pas. C'est quoi cette mort handicapée? Oh putain! Oh putain! La mort paraplégique quoi! Voilà, voilà ce qu'on vient de voir! Ce qu'on vient de tuer, c'est pas possible! Non mais sans déconner là! Alors, you know possess the golden knife, voilà, pour le couteau doré, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille mort, quoi? Non, mais t'en déconnes, la mort était déjà morte. La mort était déjà morte avant même de la tuer. C'est n'importe quoi, avec le bourrinel, machin. Putain, la mort était déjà morte, quoi. Voilà ce que ça veut dire. What the hell? Putain, alors là, franchement, je crois vraiment que c'est la mort la plus simple de tous les Castlevania qu'on a pu faire. Souvenez-vous quand même comment on en a chié. Dans tous les Castlevania où il y a la mort, c'était un truc de fou. On y a passé des heures et des heures. À chaque fois, c'est horrible. Mais ce combat-là, il était pathétique. C'est complètement nul, quoi. La mort handicapée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Ah d'accord, ah mais ça y est en fait. Ah mais d'accord, mais pourquoi ils ont pas foutu un boss à chaque fois? What the hell? Puis pourquoi ils ont pas mis un boss à chaque fois? Mais quelle bande de flemmards, j'y crois pas. Ils ont même pas foutu de boss à chaque fois, c'est incroyable. Oh nickel, nickel, il a fait beaucoup de dégâts, peut-être parce qu'il est à terre, parce qu'il est tombé. Oh putain, attends, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Attends, remonte-moi ça. Tu as été gravement touché pour un point d'impact. L'hématome sera beau et les cicatrices feront parler d'elle. Loul. Allez, le canigou, par contre, il est en train de se faire trucider. Il risque d'y rester. Il risque vraiment d'y rester. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu de ce qui vient de se passer. Oh putain. C'est ça. Ok. Et ça c'est quoi ça? Et là je peux pas parce que je dois, j'ai pas assez de cœur je pense. Ça doit être ça. Ok, ça doit être ça. What? Non!
énorme. Il repop. C'est énorme. C'est un boss qui repop. Attends, c'est énorme. Mais regardez-moi ça. What? Putain. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? N'importe quoi. Non mais what the fuck? N'importe quoi, ils nous redonnent le couteau quoi. Non mais attends, n'importe quoi. Ah d'accord, ok. En fait la mort, c'est énorme. Putain. Ah qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ah putain, ça n'a aucun sens. Ah là là, ça n'a aucun sens. Le boss qui repop et qui te refile la même arme que tu viens d'avoir. Aïe 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 aïe, c'est pas possible. Je peux pas. Tant que le garde restera à sa position, je ne peux pas bouger. Elle est bien bonne celle-là. Il faut bouger maintenant. Hein. Allez, on s'en va, s'il te plaît. Putain, mais je rêve. Ah, je suis bloqué des deux côtés. Je suis bloqué des deux côtés. Il me bloque, il y a Yann qui me bloque et le garde dedans. Putain, c'est énorme. Allez, mec. Pris un sandwich. On ne peut que faire. On ne sait que faire. C'est énorme, putain. Ah, c'est énorme. Je suis bloqué des deux côtés. Je suis bloqué des deux côtés. Attends. Putain, mais c'est ouf, ça. Comment on fait pour qu'il se casse? Puis c'est hallucinant, mais c'est hallucinant! Pouh, mon dieu, au secours, mais libérez-moi du malheur! Libérez-moi du malin! Oh putain! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il m'a attaqué? Attends. Eh mais sérieux? J'ai rien fait là, pourquoi il m'a attaqué? Eh mais sans déconner, c'est hallucinant. Je n'ai rien fait, il m'a attaqué, je sais même pas pourquoi. Ah mais... Oh mon dieu, mais au secours quoi. Franchement, au secours quoi. Ah mais c'est un calvaire. Non mais c'est une plaie quoi. Mon dieu, mais mon dieu, quoi. Oh là là, j'en peux plus. Non. Mais... Quoi? Bon, attends. De quoi? Ah non, c'est pas ici, Déborah. Mais pourquoi vous dites que c'est là, Déborah? Bon, bannissez-moi le mec qui m'a dit que c'était là, la falaise de Déborah. Il y en a au moins deux en plus qui ont dit ça. Ça m'énerve. Ah non, en fait, donc du coup, la falaise de Déborah, c'est pas ici. Bon, mais donc ici, il n'y a rien à faire alors. Bon, mais en fait, on se casse. Du coup, on s'en va. On est d'accord. Bon, bah alors, putain, alors, ça m'énerve, ça. Ah là là, que des mauvaises informations sur ce gros chaton. Ah, je suis déçu. Plus vite. Bon, on me dit que il faut lui parler. Il faut lui parler. Alors, attendez, je vais rester là. Est-ce que je peux lui parler de là? Oui. Alors, non, je peux pas. En fait, je m'avance direct. Hein. Voyons, je veux acheter des armes. Faut que je parle à Gabriel. Putain, en fait, il faut que je lui dise, faut que je parle à Gabriel. Comme ça, il va partir, je pense. Non? Non. Oh putain, non, je suis encore bloqué par le chien. Non! Mais sérieux, c'est... Mais attendez, mais c'est extraordinaire, là.
Non mais là c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Donc je lui dis, je jette juste un coup d'œil. Mais c'est complètement dingue, mais ça sans déconner, mais... Mais... Bon, je vais lui dire, t'as la même odeur que les Brahmines. Il répond même pas! Il se passe rien! Il n'y a même pas de dialogue! C'est énorme! Mais sans déconner, non mais vous... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour passer là? Il m'attaque encore! Bon allez, vous savez quoi, j'en ai marre. Allez, c'est bon. On va faire une pause là. Oh là là, j'en peux plus. Ah mais c'est l'enfer. Franchement, mais l'enfer quoi. L'enfer existe. L'enfer existe avec ce jeu. Je vous le dis, l'enfer existe. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Allez, c'est bon là. C'est bon. Tiens. Attendez. Je vais quand même le déglinguer, hein, pour la science. Voilà. Superbe stratégie. On vise les yeux. Quel que soit le mob, on vise les yeux! C'est la stratégie, les mecs! C'est la stratégie! Quel enfoiré! Oh non, je crois pas. En plus de ça, il utilise un Steam Pack! Tiens! Je te les coupe en deux! Mais voilà! Comme ça, au moins, on est passé! Hein? Non, sans déconner. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas compris là? Je comprends pas. Vous me dites allez lui parler quoi. J'ai été lui parler. Non mais j'ai été lui parler. Alors, il faut que tu lui parles, mais pas sur le pont. Non mais j'étais à côté quand j'ai justement j'y ai pensé à ça. J'étais à côté, que j'essayais de lui parler, j'étais à côté, sauf que quand on enclenche le dialogue, on vient directement sur le pont. Le personnage avance sur le pont. Non mais arrêtez vos conneries. Alors, vous allez me dire on pourrait continuer, sauf que regardez-moi ça, j'ai 11 points de vie. Non. Écoutez, on va recharger le jeu. Là. Va falloir refaire toute cette connerie. Hein? Sauf que là, on fait une petite pause. Voilà. Voilà, à mon avis, il fallait juste attendre. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas aller lui parler. Parce que quand on va lui parler, de toute façon, on est obligé d'aller juste à côté de lui. Je pense que la stratégie, c'est juste d'attendre. Il faut juste attendre que le garde se casse. Je pense qu'il n'y a que ça. Je sais pas, moi. Bref, on verra tout à l'heure. Là, en tout cas, j'en ai marre. Donc, petite pause. Voilà, ça fait 2h10 qu'on est là, donc on se redonne rendez-vous dans 15 minutes. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Ce jeu, c'est la mort. C'est l'enfer, c'est la mort. C'est l'esprit du malin, voilà. L'esprit du malin est donc réincarné dans Full Loot. Je ne vois que ça. Allez, on coupe. Tiens, je te file un bon gros diamouné. Alors, let me show you the way. Vas-y, montre-nous la way. Montre-nous la way. Oh le con! Où est la way? Où est la way? Où est la way? Alors voyons, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a fonctionné? C'est un nouveau donjon, ça? Mais non, c'est le même, j'ai l'impression. Non, c'est le même. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Vous êtes foutu de ma gueule? Attention, je vais m'énerver, là. Si c'était des conneries... Pourtant, je vais montrer le diamant, hein. Ouh, là, je sens que je vais m'énerver, là. C'est quoi ces conneries? Attendez, je lui ai montré le diamant et pourtant il m'a emmené au donjon. Hein. Qu'est-ce que c'est? Attention! Attention! Alors attends. Comment ça, j'ai le mauvais objet? Mais j'ai le diamant! Vous m'avez dit le diamant. J'ai le diamant là. Mais vous m'avez dit le diamant! J'ai pas le bon item! Pourquoi vous m'avez dit le diamant? Alors j'ai le cœur. Ah oui, j'ai le cœur aussi. Mais oui, mais.
Ah d'accord, parce qu'en fait, il ne faut pas équiper le cœur et s'équiper du diamant, alors. C'est ça? J'ai rien compris. Ah, mais non, mais... Ah, oui, voilà. Ah, voilà, ça y est. Ah, non, j'ai rien dit. Ah, ça va, c'est réparé. Ne paniquez pas. Ça va, c'est réparé, c'est réparé. C'est réparé, c'était un test. Voilà, pour voir si vous suiviez. Alors, voyons. Voilà. Ah, voilà, une good place. Voilà, c'est ça. Alors, ça devrait être bon, là. Oh, le con! Alors, attends. Est-ce que tu viens nous en donner une good place, ici? Ah oui, sauf qu'à mon avis, c'est peut-être unique commande de ce côté-là, non? Putain, j'y comprends que dalle. Attends. Je suis équipé du diamant, là, quand même. Ben oui. Ben, c'est ça, alors, voyons. Good place. Alors, vas-y. Et là, il nous emmène où, là? Mais non, pourtant, c'est pas ça non plus. Ça, c'est le passage normal, je crois. Putain, mais c'est quoi ce bordel, là? Attendez, j'y comprends plus rien, là. Pourtant, j'ai le diamant de... J'ai le diamant, la demi. Et je comprends pas du tout ce que vous me racontez, là. J'ai le diamant d'équipé, là, pourtant, hein. J'ai le diamant, là. Regardez, je suis bien équipé du diamant. Je comprends rien. Ou alors là... Alors là, je suis équipé du diamant, peut-être. Bon. On va tenter comme ça. Donc là, à mon avis, il faut le refaire. Donc je reviens. Alors, Hooper reste là, mais je comprends pas. Merde, putain, je suis même pas passé. Mais c'est pas possible. Il faut aller où? Non, sans déconner, faut aller à droite ou à gauche? Faut aller ici, alors. Bon. Là, c'est bon, alors. J'ai rien compris. Bon, j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'est par là? Mais c'est là, faut aller dans la... Bon, on va rester là, je vais attendre qu'il fasse ce jour. J'ai rien compris, hein. Mais je comprends pas pourquoi on a pris le diamant. Ah bon, c'est... Non, ah non, c'est une nouvelle ville, ça? Ah! Ah, c'est une nouvelle ville. C'est un nouveau petit village. Bon, allez, je t'offre tout, mon petit choupinou. Oui, 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 c'est fait. Oui, oui, je vais parler au Big Boss. Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Alors, j'ai des amis qui sauront bien quoi faire de vos armes. D'accord, je m'en charge. Alors, là, on va sauvegarder quand on va. Voilà, en attendant, vous allez me comprendre un petit peu. Ah, mais voyez, mais ouais, je suis déjà allé ici. Mais voyez, mais c'est hallucinant. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que des fois. Putain, mais il y en a 50, mais 50 sur le chat qui est nouvelle village, nouvelle ville, nouvelle village. Alors que bordel de merde, tout à l'heure, on est déjà venu ici. Mais oui, on est déjà venu là, donc c'est tout à fait normal que moi, je comprenne pas et que je dise. Mais c'est bizarre cette histoire de diamant, pourquoi est-ce que maintenant il faudrait prendre un diamant pour aller dans cette ville alors que tout à l'heure on y a été sans diamant. Non mais c'est quand même extraordinaire quoi. Non mais c'est exactement le même problème qu'on a vu dans Fallout 4 là, ou je sais plus quoi. Où j'avais expliqué un truc, tout le monde m'avait engueulé, et au final, 30 minutes après, c'est exactement ce que j'avais dit, la solution. Qu'on voulait que je m'énerve pas, moi, bordel de bordel. Mais sans déconner.
Non mais c'est ouf, c'est la même ville quoi, c'est la même ville. C'est quand même extraordinaire quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste de PV là. Encore 50. Bon, je crois qu'une petite musique s'impose. Attends, je vais laisser le truc comme ça. On va voir si on peut trouver quelque chose. Alors. Parce que là quand même. Alors voyons. Ça devrait être ça. La dague là, c'est ça la dague? Ah non, merde! Putain, ça va être ça. Splendide, franchement magnifique. Hein. Y a rien à dire, c'est à refaire. Hein. Attendez, c'est quoi cette histoire? Vous dites qu'il n'y a pas de fouet à acheter dans la ville? Non. Attendez, on me dit qu'il n'y a pas de fouet à acheter dans la ville. Je sens que c'est comique. Attendez, on va être sur pause. Voilà, j'ai 193. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Je sens que c'est comique là. Attendez. Alors. Hooper, tu pourras farmer à la deuxième ville à gauche. Là, tu prends le risque de faire game over avant de l'atteindre. Mais vous êtes sérieux ou quoi, là? Et vous m'avez dit que c'était dans cette ville-là qu'il y avait le fouet. Non, mais faut arrêter les conneries, là, franchement, là. Et pourquoi je farme depuis 5 minutes? Vous faites exprès? Oh putain, c'est pas cette ville. Mais pourquoi? Pourquoi? Putain, mais c'est pas... Oh là 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 là! Sans déconner, je vais mourir! Ça, c'est
c'est la news de la semaine, le coup de l'Oculus. Personne s'y attendait. Hein. 700 balles chez nous, en Europe. 700. Ah, j'adore tous les analystes depuis 2 ans et tout, tous les journalistes qui t'expliquent non, ça sera entre 300 et 500, ils peuvent pas en être autrement. On est des vrais journalistes d'investigation, nous on est comme ça, nous. 700. Je les adore. Je les adore, putain, je les adore. Ah mon dieu. C'est ça le plus beau. Ah, ce qui est choquant, c'est pas le prix de l'Oculus, quoi. C'est que depuis le début, personne ne pouvait imaginer que ce serait ce prix-là. Ça. T'as le directeur de l'Oculus Rift qui t'expliquait non, non, ça va, ce sera abordable, tout ça. 700. D'accord, ok. Enfin bref. Maintenant, tu comprends pourquoi personne ne donnait le prix. Hein. Tout s'explique. Ouais. 700 et tu l'as acheté quand même. C'est ça le plus beau, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça le plus beau. Ah mais c'est grâce aux dons, hein. Faut quand même le dire. C'est grâce aux dons. Sans cela, rien n'aurait été possible. Non mais je vous avoue que... Non, non, 700, c'est 740, hein, puisque c'est 700 plus 40 euros de frais de port. Donc 740 euros l'Oculus en Europe. En plus de ça, moi ce sera. Attends, il me dit. Attends, j'ai un avril. Mai ou. Mai, c'est ça, mai. Moi c'est en mai. Alors que je l'ai commandé quoi? Peut-être 4 heures après. 4-5 heures après le début des précommandes. Donc le jour même. Hein, 4 heures après le début des précommandes. C'était en mai déjà. Alors que de base c'est mars. Mars, avril, mai. À mon avis, là, on doit être à juin ou juillet ou août ou je sais pas quoi. C'est hallucinant, quoi. Ah, ça y est. Je pense que le jour se lève. Ah, donc c'est ça, c'était cimetière. Oui, c'est pas Gémétéry, c'est Cimetery. Ne paniquez pas, tout est sous contrôle. Alors, take my daughter. Ah, mais voilà. Vous voyez, on n'est pas venu ici pour rien. Voilà. Take my daughter, please. C'est énorme. Il n'y a même pas besoin de demander. Vous voyez? Le mec, c'est direct. Take my daughter! Il nous dit, il rajoute, please! Aïe, aïe, aïe. Ils sont quand même comiques. Oula! On va se faire ce passage sans crever. Oh là là! Oh putain! Oh mais quel skill! Mais quel skill, mais quel skill, mon dieu! Ah, ça doit être ici du coup, ma chaîne Déborah! Ça doit être ça, ma chaîne Déborah! Hein? À tous les coups, c'est là, tiens!
Je m'entraîne un petit peu avec l'anglais du coup. Apparemment, j'ai quelques lacunes quand même. Hein. On fait avec, évidemment. Fait bon. Bon, je finis mon petit café, évidemment. Ne m'en veuillez pas. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Alors, bon, j'ai pris une décision. Je viens de prendre une décision, une idée de génie, une de plus, a traversé mon esprit. Je vais continuer le jeu sans du tout regarder le chat. Je n'ai pas du tout regardé le chat. Voilà. Donc, pas d'indice. Pas de truc, donc voilà, là je vous regarde, voilà, et je vais mettre le chat en fait en bas, je vais le virer, comme ça je ne pourrai pas le regarder, je vais le foutre en bas dans la barre de menu. T'es prêt? 5, 4, 3, attendez, d'abord, est-ce que vous m'entendez bien et tout? Est-ce que tout fonctionne? Voilà, juste ça fonctionne bien et tout, c'est bon? Ça fonctionne bien, tout ça? Bon, apparemment je pense que c'est bon, il n'y a pas de raison, voyons, oh c'est bon. Je pense que tout est bon. Bah, OBS, on est good avec OBS à peu près. Donc, ouais, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Ah voilà, ça y est. Loul, tu vas pas finir ce soir. On est parti pour 10 heures. Loul, non. What? Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, je mets le chat en bas. 3, 2, 1. Hop là, voilà, il est en bas. Je ne vois plus le chat. Je ne vois plus le chat, c'est parti. Et là, voyez, d'un seul coup, je me sens vraiment comme dans une vraie épopée. Sans le bon gros de chaton derrière. C'est quand même pas la même chose. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Je me gourde de touche. Mais putain, pourquoi il saute pas? Ah oui, d'accord. Oh putain, j'y crois pas, il y avait un passage en plus. Vous voyez? Pas besoin du chat Solus pour voir qu'il y avait un passage secret ici. C'est ce qu'on appelle la... Oh putain, par contre, je peux pas sauter. Ouh là là là. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient niquer. Oh là là, vous avez vu ça? Eh, sans le chat Solus, je viens de deviner que là, que c'était un piège. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, sans déconner. Eh, il y a juste rien à dire. Je sais que vous êtes tous très impressionnés sur le gros chaton de la mort. J'en suis sûr, d'ailleurs, je vais même pas aller en haut, à mon avis, c'est plutôt par là, tiens. Je vais roxorager, ça va être impressionnant. Vous allez comprendre qui est le patron, c'est moi qui vous le dis. Écoute, apparemment il n'y a pas de piège, donc j'y vais. Hein. Et puis peut-être que les pièges, c'est que les plateformes comme ça qui se... Oh non, il n'y avait rien, je rêve. Pas possible. Non, mais quel enculé! Juste au moment où je dis ça! Et en plus, il avait droppé un truc, j'ai même pas vu ce que c'était. C'était un cœur, ça? Ah non, mais c'est énorme, quoi. Juste au moment où je dis, putain. Juste au moment où je dis. Ce que je voulais dire, c'était que peut-être que les plateformes qui se désolidarisent sous nos... C'est énorme! Oh putain, c'est énorme! Juste quand je décide de ne plus le faire, quoi. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, vous allez voir, je vais réussir à retomber tout en bas. Et putain! J'ai réussi à retomber tout en bas, c'est ça, ouais! Magnifique. Magnifique. Ah putain, alors là, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Vraiment, il n'y a rien à dire.
Donc ce que je voulais dire, c'était que... Oui, non, je me disais peut-être que c'est uniquement dans les donjons. Voilà, c'est ça. Mais en fait, non, ce n'est pas uniquement dans les donjons. Hein. Ça peut vraiment arriver n'importe quand. Hein. Bon. Je crois que je peux le dessouder. Je crois qu'on va tenter un petit coup de sniper là. Je crois qu'on va pouvoir tenter un petit coup de sniper. Bon, il reste plus que 2 points de vie donc. Hein, je vais quand même aller en haut et quand il sera en bas, on va tenter. Je pense qu'on peut le déglinguer. Sauf que là. Faut encore que je monte. Voilà. Là. S'il crève pas avant. Allez. Là. Voilà. Un petit face à face. Un petit duel. Un petit duel. Est-ce qu'il reste des munitions? Oui. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Entre les deux yeux. Et voilà le travail. Eh ben dis donc. Donc je pense que c'est fini là. On est d'accord, il n'y a plus de... C'est bon. Pouh, voilà, tu gagnes 3000 points d'XP. Aïe 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 aïe. Ce système de combat, je n'en peux plus. C'est ça le plus triste quoi. Alors. Putain, mais les flacons, ça fait vraiment pas de dégâts. Oh là là là, je le rate et je le re-re-rate derrière, quoi. Loul. Combat d'infirme. Putain, mais c'est pas possible. Mais je fais que le rater, c'est exceptionnel, quoi. Mais... Combat d'infirme. Mais sans déconner, mais... C'est exceptionnel quoi. Bon. Mais sans déconner, quand est-ce qu'il va mourir? Alors si vous vous demandez pourquoi je veux le tuer, c'est parce que je veux essayer le flacon sur les blocs du bas. Je me dis peut-être qu'il y a un truc secret. Mais sans déconner, quand est-ce qu'il meurt, lui, c'est incroyable. What? Mais c'est quoi ces conneries là? J'ai touché au moins 20 fois depuis tout à l'heure. Bon. Ah oui, d'accord. Putain. Oh putain, encore un truc complètement extraordinaire qui vient de se passer, quoi. Ah putain, le mec, au bout de 2 minutes, il se dit, peut-être qu'en baissant, je peux l'atteindre avec le fouet. 2 minutes, il aura fallu. Le temps que ça transite du cerveau jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts qui contrôlent ce putain de manette pourrie de la Wii U, il aura fallu 2 minutes. 2 minutes. Voilà, et en plus, il n'y avait rien. Ah, on va pouvoir se prendre une nouvelle aptitude, tiens, c'est vrai. Eh oui, vu que ça doit faire 3 niveaux depuis la dernière fois, on va pouvoir se prendre une nouvelle compétence, c'est bien ça. Alors, le max, c'est 95%, tu peux toujours rater. Sinon, Hooper, ce Fallout te plaît. Disons que très sincèrement, je ne pense pas faire Fallout 2. Voilà. Voilà. J'ai pas envie de dire que c'est mauvais. Non, c'est moi. Je trouve ça trop vieillot. Voilà. Je trouve ça vraiment archaïque, quoi. Pour moi, c'est un jeu préhistorique. Mais c'est vrai que je pense que pour l'époque, en 97, il devait être précurseur dans quand même pas mal de domaines. Surtout le système de dialogue, de discours, comme ça. Même pouvoir voler n'importe quel pénis. Ce genre de choses, qui sont même des choses qu'on ne retrouve souvent même pas dans les RPG d'aujourd'hui. Sauf évidemment les Fallout ou quelques trucs, mais globalement on peut même pas le faire.
Donc oui, c'était sûrement un précurseur dans un autre truc, mais sinon le jeu en lui-même, le système de combat, la façon d'avancer et tout, je trouve que ça a pris un énorme coup de vieux. Je trouve vraiment que ça a pris un gros gros coup de vieux. Voilà, pour moi le jeu il manque de fun quand même. Ça manque de fun. Ça manque de fun quand même. Voilà. Un petit peu l'antithèse du fun, ce jeu. Vous voulez un jeu qui est pas fun, il faut jouer à Fallout, putain. Fallout 1, les mecs. Oh là là là, c'est compliqué. Mais c'est pas un jeu pourri, bien sûr que non. Et évidemment que non. Mais je pense pas faire Fallout 2, par contre. Hein. Vu que je sais que le 2, il est exactement dans la même veine. Non. Là, je voulais le faire, mais là, après avoir fait le 1, non, je pense pas. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Alors, j'ai déjà bousillé une épée max dans un MMO en voulant l'enchanter avec un fail rate de 0,5%. J'ai pleuré des larmes de sang. Eh oui, je te comprends. Putain, mais c'est quoi ces flingues que vous m'avez vendues? Ça fait que dalle comme dégâts. Non, mais monsieur, vous êtes dans un magasin de jouets. Il en est toujours là. Oui, j'en suis toujours là. Ah, mais Rudolf est là, tiens, Rudolf! Ce bon vieux Rudolf! Alors, bah, le coup de rater un coup, c'est le cas de la majorité des vieux RPG. Oui, c'est parce que je suis de mauvaise foi, parce que je suis énervé. Des vieux RPG, les Final Fantasy, les Dragon Quest, le Cat of Mana, Baldur's Gate, mais. Oui, d'accord, mais. Je veux dire, il y a un moment donné. Non, 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 en fait, vous avez raison. Non, non, vous avez raison, oui, je me suis énervé pour rien, voilà. Je le conçois volontiers, bien sûr, je me suis énervé pour rien. C'est vrai que parfois, même quand on a un gros pourcentage de chances de réussite, même si tu as 1% de chances de rater, ben, ça fait quand même 1% de chance, donc tu peux rater. C'est certainement ce qui s'est passé là. Oui, mais ça énerve du coup, c'est ça énerve. Enfin, voilà, donc, alors maintenant, il va falloir trouver une aptitude. Bon, on me dit par contre que Fallout 2 est mieux. Hein. J'ai ressenti la même chose dans Fallout 2, dialogue au top, plein de quêtes et PNJ dans tous les sens, mais je me suis emmerdé sévère. J'ai bien aimé, moi. Fait New Vegas. Fallout, je le trouve fun, moi. Vous voulez vous ennuyer en jouant à Fallout 1. LOL, il nous fait des jeunesses, mais Fallout, c'est la préhistoire. C'est-à-dire que ben, la plupart des jeunesses que j'ai fait, c'était des jeux de plateforme. Et je trouve que de façon globale, les jeux de plateforme 2D, ça a plutôt bien vieilli. C'est ça. Je trouve que c'est toujours très facile de s'amuser sur ce genre de jeu. Des vieux jeux de plateforme, quoi. Là, je trouve que c'est plus compliqué. Moi, je trouve que c'est plus difficile quand même dans ce genre de jeu. Je trouve. Après, c'est que mon avis. Peut-être que je sais très bien, demain, quelqu'un va s'y essayer, il va trouver ça absolument énorme, génial, des possibilités incroyables qu'on ne voit dans quasiment plus aucun jeu actuel et tout, et il va dire que c'est génial. Ah, je suis à 191% d'armes légères. Même pas 180%, hein. 191%, bordel. Incroyable. Donc, il revient en rampant. Voilà, je reviens en rampant sur le chat. Énorme. Tu manques de respect au chat. Le bon gros chatounou. Ah, ils veulent des excuses. Mais des excuses pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? T'aurais pas dû sauter au cimetière. Oh putain, ouais, mais fallait revenir à gauche. Mais non, à droite, tu veux dire, non? Le cimetière, j'aurais pas dû sauter au cimetière. Putain, t'es sérieux? Oh là 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 là. Oh, sérieux? Il faut revenir là-bas alors. Il faut aller où? Il fallait aller où? Parce que bon, je veux bien ne pas sauter au cimetière, mais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais putain, personne dit des trucs intéressants sur ce putain de vieux chaton là. Alors, ah, moi je sais où il faut aller, mais j'ai pas trop envie de te le dire. Et en plus, c'est super chiant à expliquer. On en a Je veux dire qu'il gros faudrait qu'on peur qu'on va commence être à vous considéré considérer en comme tant que tel. tel. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver à vos fins. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la Vous fin. nous utilisez bon gré mal Quoi? gré. Comment On quoi? en a J'ai pas gros! compris. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Oh là là, il faut revenir au dernier donjon en fait.
Oh là 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 là. Bon, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas des trucs à acheter ici. Bon. On va revenir sur le jeu. Je fous ça là. Hop. Et donc. Oh putain la vache. Oh! Non! Qu'est-ce qui se passe? Loul! Non! Non! Mon Dieu! Oh! Ne me dites pas que ça a bugué! Je crois pas qu'on a sauvegardé! Putain, ça me rappelle Paint. Ça me rappelle les petits jeux qu'on fait quand on a 8 ans. Est-ce que je peux cliquer au moins? Attends. Attendez, je vais voir. Ah oui, ça marche! Ça marche! Le jeu marche toujours, putain! Vite! Il faut tout colorier! Le jeu marche toujours! Il faut colorier tout l'écran, putain! Vite! Attendez, on va tout colorier, ne paniquez pas. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Hein? Voilà, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est réparé. Tout est réparé. Tout est réparé. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ça y est, bah, c'est réparé. Bon, donc, alors les bonus, voilà. Ce jeu est hanté, messire. Ce jeu est hanté, messire, vous le savez bien. On ne peut pas passer par là. Il ne faut pas y jouer. Oh putain, ce truc. Du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça dans aucun jeu. C'est la première fois que je dois faire ça dans un jeu. Que les choses soient claires. Donc, commando, c'est quoi ça? Fallout Paint sponsorisé par Windows Millennium. Oh putain, il y a encore un village ici. Et dis donc. Ben, cela dit, vu que les villages sont tous identiques, ils auraient pu en mettre 250, et vous me direz, c'est pas Ah, faux, c'est pas hein? faux. C'est pas faux! C'est pas faux. Voilà, les PNJ, pareil, c'est tous les mêmes, donc finalement, ce qui change, c'est un petit peu la teinte du village. Voilà, on passe du vert au rose, au bleu, au rouge, et c'est ce que les mecs te disent. Qui c'est qui a dit ça? Attends. Ah, c'est GUT en plus! Si c'est pour devenir comme ça, jamais je jouerai à EverQuest. Trop fort! Trop fort! Ah putain, si c'est pour devenir comme ça, jamais je jouerai à EverQuest. Ah, elle est bien bonne celle-là. Ah putain. Oh putain. Ah nom de Dieu. Pourri quoi. Alors, voyons un petit peu ce chat. Alors, Hooper, tu es à la fin du jeu. Y a plus rien à faire. Finis ce désastre, pitié. Eh ben, c'est moi ça. Alors, ton avis sur Julien Lepers. Il y a Julien Lepers sur BFM. Ah! Attendez, on me dit qu'il y a Julien Lepers sur BFM, donc. Je dis oui! Oui, 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 oui! Attendez. Faut allumer la téloche, là. Il y a quand même des priorités, hein. Oui! Oui! Un indice! Alors voyons.
Mais je vois pas du tout Julien Lepers, là c'est quoi, ça on m'a menti. Il y a Hollande. On m'a menti, je coupe. Je coupe, bannissez celui qui a déclaré Julien Lepers. Bannissez, bannissez tout. Bannissez. Bannissez tout. En tout cas, il ressemble quand même pas à grand chose. Même le Dracula de Castlevania 1. Mais c'est comme en fait, mais il ressemble à la mort. Il ressemble à la mort, quoi. Mais voilà, tiens. Bim. Loul. Oh là, il y a quoi de la merde. Non, je peux même pas les inspecter, les étagères. C'est abusé. Mais c'est abusé. Comme une grosse buse. Bon, mais on dégage, du coup. Il n'y avait rien du tout, en fait, ici. C'est palpitant, n'est-ce pas? Je sais que, autant que moi, vous êtes absolument passionné, n'est-ce pas? Passionné par l'aventure que propose ce full loot, n'est-ce pas? Non mais je me moque pas, attention. Hein. Je me moque pas, mais disons que je pense que j'ai quand même des difficultés pour faire Fallout 2, je vous le cache pas. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Il va falloir quelques mois quand même pour me remettre des émotions de ce Fallout, parce que là c'était quand même quelque chose d'assez grandiose. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon. Ah mais d'accord, mais ils nous remettent directement sur le menu. Ah mais c'est quoi ce bordel, il y a même pas de crédit. Il n'y avait pas de crédit, quoi. Les mecs, ils ont eu honte à la fin. Ils se sont dit, bon, on leur a fait un Dracu tout pourri, un dernier donjon avec un level design, il n'y a même pas de level design, il n'y a que des escaliers qui montent et qui descendent, et puis il n'y a même pas de mob, hein. Ils n'avaient plus d'idée à la fin. On va peut-être éviter de mettre nos ganaches dans les crédits. Hein. Bon. Allez, bah écoutez, on va donc s'arrêter là. Voilà, c'était donc l'épopée loul. Que dire, hein, de Castlevania II, Simon's Quest. C'est con parce que sans déconner, au départ, j'étais super enthousiaste. Parce que franchement, au départ, j'étais impressionné par le jeu. Mais plus t'avances et plus tu vois les défauts, voilà, c'est. J'ai du mal à comprendre ce jeu en fait. Je comprends pas. C'est ça, je comprends pas. Pourquoi les donjons sont aussi nuls, parce qu'ils sont quand même vraiment nuls. Pourquoi il n'y a que des squelettes dans les donjons et t'as que des mobs différents ailleurs? Ben non, il n'y a rien. Eh bien, nous allons par Tam. Parce que là, on va aller en bas. De toute façon, il nous faut un pass pour le... Ah non, on peut aller au niveau 6, faut pas oublier. On peut aller au niveau 6. N'oublions pas. Il y en a déjà qui vont en ligne, je vois, sur le chat, hein, mais je vous comprends, parce que vous voyez, même pour moi, c'est difficile, là, c'est... Hein, vous m'entendez bailler, mais... Et vous me voyez pas, pourtant, hein. Mais c'est pire. Ah, putain. Alors... Ah, dans les broussailles. N'allez pas dans les hautes herbes. Non! Trop tard. Oh là là, mon dieu, c'est... On est ultra cloisonné finalement. Ah, je pensais que ce serait plus grand en fait. Oh là là, on est méga cloisonné, c'est un truc de oufo. Hein. C'est un truc de oufo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, on est sur pause, y a pas de soucis. Là, le jeu est clairement en pause. Alors attends. La question que je me pose, est-ce que son Mi Nintendo lui ressemble vraiment XD? Oui, il lui ressemble, il l'a dit dans une vidéo de Mario Kart. Mais bon, lol. Ah ah, j'ai hâte de voir ça. Je suis sûr, il est pas moche. C'est la conversation de haute volée. Dans le rayon Hooper, on trouve surtout de l'Orangina et des Ricola.
Ludwig, évidemment, toujours là, qui essaye de faire des blagues, mais il a du mal. S'il tient le coup après le rayon, il devrait revenir sur le bon chemin. Arme à énergie et super armure. Ah, ça, ça m'intéresse. Va voir le début de la vidéo sur Banjo-Kazooie, tu auras une esquisse de ta réponse. Mais non, il a trop de sex appeal de toute façon. Quand Hooper mettra la cam, je prends un screen et je l'encadre. Le JDG a dit qu'ils se ressemblaient les deux à peu près. Le formulaire rouge, vous en avez besoin pour avoir le formulaire rose, dans le but d'obtenir le laissez-passer A39. Bon, je dis ça de mémoire, je déforme sûrement les couleurs, mais le ton y est. Eh oui, mon cher Rudolf. Astérix. On veut voir la théorie de Hooper. Si, c'est pour remettre l'énergie, me semble. Le JDG a vu Hooper. Rudolf, lui, s'est passé A38. Il a buté les robots. Il faut les buter avant de remettre le courant. Sinon, c'est autrement plus délicat. Non, non, A39, suite à la nouvelle circulaire B57. Avec tous les reflets qu'on a vus de lui, on sait déjà qu'il est assez grand, plutôt gros. Barbu avec des petits yeux. Bon, faut voir IRL. Mort de rire, va y avoir plein de mèmes et de gifs quand il nous montrera sa face. Hooper, as-tu vu le prélude de la saison 10 d'X-Files et comptes-tu le regarder? Bonne référence. Une tranche de terroriste, quoi? Sans compter les YouTube poop. Pop. Pas comment on dit ça. Les YouTube poop ou pop. Les YouTube pop. Il me semble, ça remonte à longtemps, c'est des souvenirs dans ma tête. Krusty Bat, et qu'il a des gros pouces, faut pas oublier les gros pouces de Flunchy. Hooper, ne cède pas à la hype. Mort de rire, non, j'ai pas dit ça, je ne savais pas. Si vous voulez voir sa tête, faut regarder sa vidéo de Banjo et Kazooie, un dieu grec. Hooper est un beau gosse timide. Ne montre pas ta trogne, ça fait partie du mythe, comme les Daft Punk. Hooper s'appelle en fait Beau Gosse 69. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai hâte de voir la tête Hooper. Ce sera un peu la consécration de tant d'années de visionnage de tes vidéos. Ah, les temps sont durs. Les temps sont durs. Donc... genre pour dégager les... Putain, mais c'est pas vrai ça, j'ai une mouche là. Oh putain, ça y est, j'ai une mouche maintenant. Splendide. Une mouche s'est faufilée dans ma demeure. Ah, on me dit, il te faut un truc comme un mini 50 ou 60 en réparation. Ah ben, elle est bien bonne celle-là. Sachant que j'ai... Ah ben, j'ai que 45%, hein. Comment je... Ah, attendez, ça y est. Putain, mais n'importe quoi. Il fallait le spammer dessus. Fallait le faire 50 fois pour que ça fonctionne, quoi. Ah d'accord, je l'ai fait 4 fois, ça marche pas, je le fais la 5ème fois, ça fonctionne. Putain, énorme quoi. Tu démarres les générateurs et tous les systèmes semblent se reconnecter, tu gagnes 1000 points d'expérience. Ah bon, mais ça y est du coup. Alors attends, est-ce qu'il faut que je le... Gestion d'énergie. Ah voilà, ça y est. Oh là là, que la lumière soit. Que la lumière soit. Et voilà, en fait, il fallait juste insister, vous voyez. Voilà ce qu'il faut faire dans Full Loot. Il faut insister, voyez. Vous faites une fois un truc, on vous dit non. Vous faites deux fois, on vous dit non. Trois fois, non. Quatre fois, non. Cinq fois, oui. Du génie. Hein? Du génie, enfin. Allez, on dégage d'ici. Ça peut servir à enlever l'éboulement pour faire passer le train. Enfin, ça peut servir à plein de trucs, quoi. Il faut que je... Mais putain de mouche. En plus, elle a vraiment décidé de m'emmerder, là. C'est bon. Allez. Elle a vraiment décidé de m'emmerder, là. Ça y est. Faut rester calme. Hein. Il faut toujours rester calme. Toujours. Mais dégage. Je vais te filer ces grenades. Et je vais te filer ça. Il n'y a plus de place, ça y est, il ne peut plus rien porter. Hein. Ça y est. On n'a plus de place les mecs, c'est terminé. Loul. 9h non-stop sur ce jeu, on peut dire ce qu'on veut, mais il a du courage le Hooper. Ah oui, ça c'est. Je suis d'accord, je mérite là. Mais non, attendez, on peut aller là. Oh mais non, regardez-moi ça.
Il y a tous ces casiers à looter encore. Non, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Oh putain. Le jeu du loot, quoi. Le jeu du loot. Voilà. Sauf qu'ils te mettent tellement de loot que tu ne peux pas tout prendre. Oh mon Dieu, je n'y arriverai pas. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi dans cette tâche. Alors, pistolet. Oh, mais non, pistolet laser en plus. Je suis obligé de le prendre, le pistolet laser. Putain, sérieux, c'est. Je suis pas encore en surpoids. Incroyable. Alors, ce pistolet laser, je l'avais pas encore eu. Non, mais c'est ouf, quoi. Ils te donnent 10 000 loot au fin fond d'un endroit où ils savent très bien, ils savent très bien qu'on ne pourra jamais tout porter. Je veux dire, je sais pas, moi. Je sais pas. C'est juste ultra relou, quoi. Putain, c'est génial! Il te file 10 000 trucs, on peut en prendre le quart. J'adore. C'est génial. L'antithèse du mot fun. Voilà. C'est ce que vous dites tout à l'heure. L'antithèse du mot fun. C'est Fouloute. Il est là. Il est ici. Il est avec nous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette arme? On l'avait pas eu celle-là. Pistolet laser. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça demande que 3 en force. Voyez un peu les dégâts. Bon, là, ça fait des dégâts de merde. Voilà, bon, là, ça, c'est même pas la peine de le prendre. Hein. Franchement, dégâts 10 à 22. Bof. Je vais le garder, mais si je peux le virer, je le virerai, là. Clairement. Alors, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ok, compteur GG, on s'en fout. Détecteur de mouvement. Quoi? C'est quoi ça? L'homme invisible? Mais qu'est-ce que c'est, quoi? L'homme invisible. Détecteur de mouvement. Oh là là. C'est quoi ça, l'homme invisible, maintenant? Qu'est-ce que c'est que j'ai chopé? Système furtif. Sérieux? Produit un champ de modulation transmettant la lumière réfléchie d'un côté à l'autre d'un objet. Sérieusement? Attends, comment ça fonctionne ça? Oh putain, camouflage optique! Metal Gear Solid n'a rien inventé! Si, ouvrez! On en a gros! Non, mais c'est bon, je vous utilise! Allez vous coucher!